7 ans maintenant que Michael Sharkey met en lumière les homosexuels. Un documentaire américain tout d'abord, européen depuis peu, un projet très personnel, dans son viseur, une génération libérée des tabous d'avant. J'étais moi-même un enfant homo, même si je ne l'assumais pas à l'époque. Quand j'étais enfant, j'aurais souhaité être reconnu comme tel, et alors j'aurais pu en parler librement. Homo, transsexuel, travesti, Queer Kids in America est une ode aux autres sexualités assumées. Des portraits faits pour une communauté en étroite collaboration avec les modèles. Disons que là, il faut plus avoir l'air naturel que plus l'air d'un mannequin. Donc, c'est assez compliqué, j'ai plus l'habitude d'être un mannequin, mais ça change, c'est pas plus mal. Je veux que les modèles se sentent à l'aise dans un endroit qui a une signification pour eux, un lieu où ils traînent. Parfois, je les photographie dans leur maison, leur école, ça dépend. Quant au débat sur le mariage pour tous qui secoue la France depuis des mois, le photographe reporter new-yorkais engagé a évidemment son avis bien tranché. Il est difficile pour les gens d'accepter. Je le comprends, mais ça fait partie de l'avenir. L'exposition Queer Kids in America de Michael Sharkey est à découvrir à la galerie Double One jusqu'au 30 juin.